Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement. Bon sabbat chez vous. Commence maintenant. Sur la chaîne YouTube Espoir Média. Ici, vous trouvez différentes vidéos qui parlent directement ou indirectement de Dieu et de la Bible. Vous pouvez vous abonner pour être informé de la publication des nouvelles émissions. Ce soir, nous sommes là pour 30 minutes environ de louanges et études de la Bible pour commencer le sabbat ensemble. Commençons par les chants. Smiles always fake, tears never shed, thoughts never said, so much regret, words never shed, hidden away, hugs always dreamt, love never dead. He makes you breathe, he makes you laugh, he makes you feel, but he's your life. He's not away, he's not that far, he wants to stay, will you allow? Love is just there behind your door. Love is just there inside your wall. Breaking down the years of silence. Breaking through your safety distance. Will you ever open the door? Will you ever open the gate? And let the raging river run through. Show your love, show your love, show your love. Great like the sky, behind the stars, deep like the well of living water. Waiting for you, waiting for me, to let him in, to let it down. To help you love, the Lord is there. It is his call, it is his name. Love never dies, he died for you. He always gives, because he lives. Love is just there behind your door. Love is just there inside your walls. Breaking down the years of silence. Breaking through your safety. River.
La vie de Jésus est racontée de manière plus ou moins parallèle dans les quatre évangiles de la Bible, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Chaque disciple a écrit les événements qu'il a vécus à sa manière, selon sa sensibilité. Mais le miracle que nous allons entendre aujourd'hui n'apparaît que dans un évangile. Seul Matthieu a trouvé intéressant de l'écrire pour s'en souvenir. Cela m'étonne, car je le trouve à la fois classique et énigmatique. Écoutons. Connaissez-vous Eylan, Eylan Kourdi? Cela ne vous dit rien? Et pour autant, c'est un petit garçon qui est devenu célèbre. Dans le mois de septembre 2015, l'image de cœur sans vie de ce petit enfant syrien de 3 ans avait été retrouvée sur une plage turque. La photo avait fait le tour du monde et il avait suscité pas mal de réactions et surtout des émotions. Je me souviens encore que dans les jours qui sont suivis, j'étais très choqué par rapport à cette image-là de cet petit enfant mort, noyé. Et ce qui m'avait choqué le plus, c'est que quelqu'un il m'a dit « Mais je ne comprends pas ça. Il a dit qu'il a resté dans leur pays. Je ne comprends pas pourquoi il veut venir ici. Il doit rester chez eux. Prend autant de risques pour venir dans un pays ici en Europe. » Je me rappelle encore le choc. Comment pouvoir être si indifférent à la souffrance d'autrui? Et l'ami, et si ce petit garçon-là, il était mon propre fils? Et si ce petit garçon, il était ton fils, ton petit-fils à toi? Comment pouvons-nous être si indifférents? L'ami, au-delà de nos convictions politiques, si tu es de droite, de gauche, d'extrême droite ou d'extrême gauche, nous sommes en train de parler d'humanité. Nous sommes en train de parler de souffrance. Et je me rappelle que dans cette discussion, la personne, il m'a dit, comment Dieu peut faire quelque chose comme ça? Comme si c'était Dieu qui l'était à l'origine. Mais attendez, je lui ai répondu, cela n'est pas mon Dieu. Et immédiatement, il a dit, ouais, si tu veux, mais c'est Dieu qui l'a permis. L'ami, comment Dieu peut être à l'origine de ses souffrances? La parole nous dit que Dieu, c'est un Père aimant. Il nous dit très clairement comment il s'est présenté à Moïse. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, Exode chapitre 3, le texte, il dit, le Seigneur passa devant lui en proclamant le Seigneur, Yahvé, Yahvé, Dieu compatissant et clément, patient et grand par la fidélité et la loyauté. Le psaume 103, verset 8, il dit très clairement, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, long à la colère et riche en beauté. Permettez-moi de vous dire que aujourd'hui je suis convaincu que le miracle le plus grand que Jésus-Christ il peut faire dans votre vie, dans la mienne, dans la vie de cette humanité, c'est qu'il puisse transformer le cœur des pierres que nous pouvons avoir à cause du péché et de l'égoïsme. C'est le transformer dans un cœur de chair, rempli de compassion et amour pour son prochain. D'ailleurs, dans son premier discours public de notre Seigneur Jésus-Christ, il va dire dans le sermon sur la montagne, « Heureux les miséricordieux ». La NBS, il va traduire « ceux qui sont compatissants, heureux, bénis, en marche ceux qu'ils sont compatissants, car ils obtiendront miséricorde, ils obtiendront compassion. » Que veut dire exactement ces mots-là, compatissant? Être compatissant, c'est avoir le sentiment de compassion. Et compassion, c'est le sentiment qui s'incline à partager les maux, les souffrances d'autrui. C'est pour cela que je disais tout à l'heure, nous avons un Dieu compatissant. Nous avons un Dieu qui est rempli de compassion pour ses enfants, pour ses créatures.
Ces mots-là, compassion, avoir miséricorde de, c'est un mot que, en grec, il ressemble un petit peu à mon prénom. C'est Eleo. Avoir miséricorde. Dans l'évangile de Matthieu, il apparaît 8 fois. Il apparaît sur le sermon sur la montagne, sur la guérison des 12 aveugles, sur la femme cananéenne, le père d'un fils démoniaque, dans la parabole de serviteur qu'il va rencontrer son maître et que son maître, il a pitié de lui. Il va l'utiliser 2 fois aussi. Et les 2 dernières occasions, c'est à nouveau 12 aveugles et une foule qu'il demande la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les miracles de Jésus que nous sommes en train d'étudier dans Bon Sabbat chez vous, aujourd'hui j'aimerais vous partager une de ces histoires-là, celle des 12 aveugles qui seront guéris par Jésus. L'histoire se trouve en Matthieu chapitre 9, versets 27 à 31. J'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles et pouvoir lire ensemble ce récit. Comme Jésus passait plus loin, 12 aveugles le suivirent en criant. « Aie compassion de nous, fils de David !» Lorsqu'il arriva à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. » Alors, il leur toucha les yeux, en disant, « Qu'il vous advienne selon votre foi. » Et les yeux s'ouvrirent. Jésus s'emportant contre eux, leur dit, « Prenez garde, que personne ne le sache. » Mais à peine sortirent, ils se mirent à parler de lui, dans tous les pays. Les premières des aveugles sont « Aie compassion de nous, fils de David ». Nous avons un Dieu compatissant et aimant, je disais tout à l'heure, qu'il souffre avec ses enfants, qu'il compatit. Je sais bien que la douleur parfois nous fait croire qu'il est loin, qu'il ne s'intéresse pas à nos souffrances. Que si je passe autant de chagrin dans ma vie, autant de souffrances, c'est quelque part parce que je le mérite. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose. Jésus l'a promis. Il a dit très clairement, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il est toujours là. Il est à notre côté, même si parfois nous ne le sentons pas. Il chemine avec nous. Il pleure avec nous. Nous avons un Dieu plein de miséricorde et de compassion envers ses enfants. Mais parfois l'ennemi, il essaye de nous détourner le regard et il nous fait penser que Dieu, il est en colère contre nous. Permettez-moi de tirer 3 idées avec vous ce soir. Simplement 3 idées de ce texte, de ces 12 aveugles. Il nous faut prendre connaissance de notre état. Je pense que c'est la première leçon qu'il nous donne ce texte. Et peut-être tu t'es dit, mais attends Léo, de quoi tu parles? Prends conscience de quel état? Parce que là, c'est l'histoire des 12 aveugles. J'aimerais te poser la question. Est-ce que tu ne penses pas que parfois, nous sommes aussi des aveugles? Car il n'y a rien de pire qu'un aveugle spirituel. Croire que tout va bien quand la réalité, elle est autre. Je pense qu'il y a beaucoup de gens. Et aujourd'hui, notre Église, notre communauté, elle n'est pas consciente de la cécité spirituelle qu'il peut avoir dans nos vies. Et quand je prends conscience, c'est là que je peux demander à Christ de faire ces miracles dans ma vie. Mais avant de demander qu'il enlève cette cécité des messieurs, spirituellement parlant, avant de pouvoir aller lui dire, il faut que je prenne conscience. Et c'est là que je peux venir lui demander pardon et lui demander cette guérison.
Peut-être tu t'es dit, Léo, mais d'où tu as sorti cette histoire-là? Rappelez-vous de Apocalypse chapitre 3, verset 17. Jésus, il va dire à son église, à l'église de l'Odyssée, parce que tu dis, je suis riche, je suis devenu riche et je n'ai besoin de rien, sans savoir que toi-même, tu vois, sans savoir que toi-même, tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Et là, Jésus-Christ, il dit, je te conseille de m'acheter de l'or pur par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et que la honte de ta nudité ne devienne pas se manifester. Et un collier pour te oindre les cieux, afin que tu vois. Notre Seigneur Jésus-Christ, il nous encourage à prendre conscience de notre état, qui comme les aveugles, peut-être on n'est pas des aveugles physiques, mais spirituels. Alors Jésus-Christ, il t'encourage à toi et à moi ce soir, à nous dire, viens auprès de moi, prends conscience de ton état et mets ces colliers-là que je suis en train de te donner. Car aujourd'hui, plus que jamais dans notre société, nous avons besoin de lui pour voir clairement les enjeux de ce monde. Le deuxième point que j'aimerais partager avec toi, c'est ce que cet aveugle-là, ils ont fait en venant à Jésus-Christ, c'est-à-dire avoir la foi. Mais Léo, on a la foi, oui. Mais la même question qu'il a posée aux aveugles, notre Seigneur Jésus-Christ, il nous la pose aujourd'hui. Croyez-vous que je puisse faire cela? Crois-tu dans un Dieu qui est vivant, qui est prêt à agir pour ses enfants, un Dieu qui est présent, qui chemine à tes côtés? Car il a dit qu'il t'advienne selon ta foi. Je me suis demandé, en étudiant ces textes, et si ces aveugles-là, ils n'avaient pas la foi? Parce que Jésus-Christ, il a dit qu'il t'advienne selon ta foi. Que serait-il passé? On ne sait pas. Mais l'Épître aux Hébreux, il nous encourage à croire de tout notre cœur. Pourquoi? Hébreux chapitre 11, verset 6, il nous dit très clairement, « Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » J'espère que quelqu'un chez vous, il est en train de dire un grand amen, parce que nous avons un Dieu vivant, mais il faut le croire. Il faut croire qu'il va agir encore dans notre vie. La troisième idée que j'aimerais partager avec vous, c'est partager ce que Jésus a fait dans ta vie. Oui, il dit aux aveugles, prenez garde que personne ne le sache. Mais le résultat, il est tout autre. Dans la joie de connaître, de voir que Jésus a fait dans leur vie, a été plus grand que la demande que Jésus-Christ il a dit. Jésus il a dit, taisez-vous, ne parlez pas. Mais ils ont rencontré le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, il a produit quelque chose en eux qu'ils ne pouvaient pas se taire. C'est ce que je veux vous dire quand j'ai dit que Dieu a fait des choses tellement grandes pour toi que quelque part tu ne peux pas te taire. Tu vas le crier aux quatre vents. Tu vas vouloir le dire à toutes les personnes que tu vas rencontrer que Jésus, il est vivant et que tu l'as vu agir en toi. Car tu te rends compte que tu as un Dieu qui est rempli de compassion. Et tu voudrais le présenter à tous ceux qui ne connaissent pas Jésus encore, un Dieu compatissant, un Dieu qu'il prend soin de ses enfants. Cher ami, quand je vois parfois cette société-là qui a un cœur de pierre, je me rends compte que la seule solution, le seul issue possible, c'est que notre Jésus, il puisse transformer ses cœurs de pierre dans un cœur de chair, semblable à celui de notre Père, compatissant et aimant. Je disais tout à l'heure que parfois nous sommes des aveugles spirituels.
J'aimerais partager avec vous ce qu'il m'est arrivé dans une de mes communautés dans laquelle je suis pasteur. On avait fait une soirée d'adoration, une soirée dans laquelle on était en train de louer, d'adorer Dieu. L'église, elle était assez remplie, on était plus d'une centaine de personnes. Et je me rappelle, j'étais en train d'animer un moment de témoignage spontané, de prière. Et à ma droite, il y a une jeune fille elle est très connue dans la région dans laquelle j'exerce mon ministère. Cette jeune femme, elle est aveugle, elle ne voit pas, elle chante, et elle chante de manière extraordinaire. Et dans ces moments de louange, avec la musique de fond, et ces moments que je ouvre au témoignage, elle lève la main, et cette fille aveugle, elle commence en disant quelques mots qui m'ont choqué. Elle a dit, « Les amis, je ne sais pas si vous voyez ce que je vois. Comment quelqu'un d'aveugle, il pourrait nous dire à nous que normalement on voit. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vois. » Et là, silence, silence, mais vous savez ces silences-là que personne n'ose même pas respirer. Et toute l'église, elle est en train de l'écouter. Et elle dit, « Je ne sais pas si vous voyez ce que je vois. » Les anges de Dieu, ils sont ici. Je vois cette lumière remplie notre communauté en ce moment. Je peux voir Jésus en ce moment. Ah, les amis, j'avais des frissons comme en ce moment-là. Quelqu'un que physiquement, il ne peut pas voir, mais qu'il était en train de nous ouvrir les yeux à que Jésus, il est présent à travers son Saint-Esprit. Loué soit Dieu, l'ami. Mais vraiment, j'ai prié pour que notre Dieu, il puisse se manifester dans cette dernière ligne droite dans nos vies et qu'on puisse le voir comme cette jeune fille aveugle le voyait. Qu'on puisse voir comme il est présent dans notre souffrance, comme il est présent dans notre chagrin. Comme il a dit, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais je nous encourage à que vraiment, on puisse ouvrir les cieux de nos cœurs, qu'on puisse ouvrir ce que lui, il est prêt à faire dans nos vies et pouvoir le partager avec les autres. Le miracle le plus grand qu'aujourd'hui, Jésus-Christ, il veut faire dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies, c'est de nous guérir de notre cécité, de notre aveuglement spirituel, que notre Seigneur Jésus-Christ, les dieux compatissants puissent faire plein de miracles dans vos vies et que nous aussi, on puisse être des chrétiens remplis de compassion et d'amour pour notre prochain. Soyez bénis et je vous souhaite à tous un très bon sabbat. Toi.
nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie, nous avons besoin de toi. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie, inonde ce lieu de ta présence. Père éternel, je te rends gloire, Seigneur, pour tout ce que tu fais déjà dans nos vies, Seigneur. Parce que tu es présent avec nous, parce que tu chemines avec nous, malgré nos souffrances, malgré nos chagrins. Je sais que toi, tu es un Dieu compatissant. Tu as toujours eu des compassions. Mais parfois, comme les aveugles, on peut venir vers toi en pensant que toi, tu n'as pas de compassion envers nous. Mais c'est tout le contraire. Père, je te prie au nom de ton Fils Jésus-Christ qu'on puisse avoir le même cœur que Jésus-Christ, être rempli de compassion, d'amour pour nos prochains, et que vraiment tu puisses enlever ces cités spirituelles de notre vie, que tu puisses oindre nos yeux avec ces colliers-là, qu'on puisse avoir la foi que toi tu nous demandes d'avoir pour croire de tout notre cœur et qu'on puisse partager la bonne nouvelle que toi tu es vivant et que bientôt tu reviens nous chercher. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Depuis quelques semaines, nous suivons Jésus sur la route qui réalise toute une série de miracles les uns après les autres. Aujourd'hui, nous avons assisté à la guérison de deux aveugles. Cette trajectoire se terminera avec la guérison d'un démoniaque muet. C'est le miracle que nous étudierons la semaine prochaine. Le rendez-vous est pris vendredi à 19h sur la chaîne Espoir Média. D'ici là, un bon sabbat chez vous.